Assemblée nationale, questions-réponses au gouvernement ce jeudi. La séance des questions-réponses au gouvernement se tiendra les 2 et 3 décembre au CCI Divat. Brunel Razaf Sianjouf, un député élu du district d'Ikung et à la fois vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de la province de Fianarantsoa, indique que les députés aborderont des sujets brûlants d'actualité pour cette rencontre avec les ministres. Ils veulent des réponses et des explications à l'inflation galopante, l'insécurité, l'accès à l'eau potable, aux soins médicaux ou encore à la pollution. Pour une meilleure organisation des séances, les députés seront départagés en 2 groupes. Le premier interviendra le 2 décembre et le second le 3 décembre. L'équipe gouvernementale, pour sa part, fera acte de présence pour ces 2 journées. Différends entre lycéens, suspension des cours au LTP-GC de Mamassn. Ce matin, les dirigeants du lycée technique et professionnel de génie civil de Mamassn ont décidé de suspendre les cours à cause d'un différend avec les élèves du lycée technique d'Al-Arbi. Ces derniers se sont rués vers Mamassn dans le but d'en découdre et de saccager l'établissement. Selon les témoignages sur place, ce conflit viendrait d'une altercation lors du salon des métiers qui s'est tenu dans l'enceinte du lycée LTP Al-Arbi la semaine dernière. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les élèves et rétablir le calme. Circulation routière, une application mobile pour les usagers. Dans le cadre de son 60e anniversaire, la police nationale mettra à l'intention des usagers de la route, conducteurs et piétons, l'application FIFA Mouivouzen afin de les familiariser aux règles de la circulation et de réduire ainsi les risques d'accident. Cette application permet également aux usagers de connaître les pénalités et contraventions appliquées en cas d'infraction. L'objectif est de pouvoir combattre la corruption selon le directeur général de la police, Dani Marius Rakoutzanen. La police nationale tiendra 2 journées de portes ouvertes les 2 et 3 décembre sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakil pour présenter leurs attributions, leurs services et leurs domaines d'intervention. L'application sera présentée à cette occasion puis mise gratuitement à la disposition du public.